Les amis, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un top 10 des images what the fuck sur GTA 5, ou plutôt un top 10 des images what the fuck sur Snapmatic. Je n'ai réuni pas mal et je voulais les faire en diaporama au début, excusez-moi. Le concept du diaporama a déjà été pris et puis il y aura des autres épisodes what the fuck sur Snapmatic. Donc voilà, parce que j'ai encore plein d'autres images à vous montrer. Et puis j'espère que le concept va vous plaire, en tout cas le concept de Snapmatic va vous plaire. Ça diversifie, excusez-moi, un peu les jeux. Donc voilà. Et pour la 10e place, on a la fille de Michael, qui s'appelle Tracy Dai Santas, qui est en train de se prendre un mur. On ne sait pas comment elle a fait pour venir ici. Donc moi, j'ai choisi de la mettre à la 10e place parce que c'est pas tellement bizarre que ça. Mais bon, quand même, on peut pas voir Tracy se taper un mur tous les jours dans GTA V. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de la mettre dans ce top 10, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette 10e position. Parce que c'est pas tellement bizarre, c'est quand même what the fuck. Pour la 9e place, on a une F620 qui est un peu démontée de partout. C'est même pas un peu, c'est beaucoup démontée de partout. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait qu'un côté qui soit vraiment bien démonté et que le côté soit pas intact, mais plus intact que l'autre côté. Donc elle est vraiment démontée de partout. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est les roues qui soient sorties de la carrosserie, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais bon, mais en tout cas, on se demande comment qu'elle a fait pour avoir ce crash terrible, si on peut dire ça comme ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de les mettre à cette 9e place. Pour la 8e place, on a 4 joueurs, 4 joueurs, excusez-moi, qui sont un peu, enfin, c'est même pas un peu, c'est les 3 premiers que vous voyez en premier plan qui sont un peu coupés, si on peut dire ça comme ça, dans un bâtiment. Donc, je crois qu'ils ont fait un wall bridge dans un bâtiment, donc je sais pas lequel. En tout cas, c'est what the fuck ce qui peut arriver, les wall breach, bref, tous les bugs qu'il y a dans GTA V, c'est énorme. Mais bon, le jeu n'est pas parfait non plus. Et donc vous voyez que le joueur derrière n'est pas trop coupé. Non, il y a juste les chevilles qui sont coupées, mais bon, c'est pour ça que c'est what the fuck. Et pour la 7e place, on a une voiture qui est pas buggée, bon, à part J'en suis sûr et certain, c'est un cargo bob qui l'a mise ici. Ou à moins que ce soit le mécano qui est un peu bourré ou un peu drogué, bref. Ou alors un stun de fou, mais je ne pense pas parce que la voiture n'est pas cassée. Enfin, du côté qu'on voit, donc l'autre côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà déterminer, c'est que ça a été mis là par un cargo bob, c'est sûr, à 100%. Je ne vois pas d'autre solution, donc c'est pour ça que je l'ai mise à la 7e position. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même trouver le bon angle pour pas que la voiture tombe d'un côté. Donc voilà. Et pour la 7e place, on a une voiture qui est pas buggée. Bon, à part, j'en suis sûr et certain, c'est un cargo bob qui l'a mise ici. Ou à moins que ce soit le mécano qui est un peu bourré ou un peu drogué, bref. Ou alors un stun de fou, mais je ne pense pas parce que la voiture n'est pas cassé, enfin du côté qu'on voit, donc l'autre côté je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà déterminer, c'est que ça a été mis là par un cargo bob, c'est sûr, à 100%. Je ne vois pas d'autre solution, donc c'est pour ça que je l'ai mise à la 7e position. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même trouver le bon angle pour pas que la voiture tombe d'un côté. Donc voilà. Et pour la 5e place, on a un avion. Un mule, oui c'est un mule. Première fois que j'arrive à trouver directement. On a un mule qui a été cabré, super bien cabré en tout cas, ou peut-être par un cargo bob, mais bon, je ne vois pas de rayures, de choc sur le mule. Donc c'est assez bizarre de voir ça. Donc déjà, le glitch pour cabrer un camion, j'ai déjà essayé et j'ai jamais vu que un camion pouvait se cabrer autant et parfaitement bien. Parce que c'est... pour moi, j'ai jamais vu un camion aussi cabré que ça. Et c'est pour ça que je l'ai passé à la 5e position. Et pour la 4e position, on a de la mauvaise herbe qui a mal été tondue. Mais vous me direz, moi aussi, je le dis, il faut être balèze pour réussir à tondre de l'herbe à cette hauteur-là. Donc, pour cette localisation, elle se situe dans les quartiers où il y a Newton. L'activité de Newton, je sais pas si vous voyez. Donc, c'est une... Oh là là, c'est la localisation, c'est quand j'ai fait mon stun sur les gradins, quand j'ai traversé le terrain de foot et quand j'ai grimpé sur les
sur les gradins quand je suis atterri sur le toit. Donc c'est à peu près dans les quartiers là. C'est où il y a le casino, enfin un peu plus quand vous descendez du casino. Mais bon voilà, j'ai choisi de la mettre à cette quatrième position car c'est vraiment what the fuck ce bug, cette mauvaise herbe en hauteur. Donc voilà. Et pour la troisième position, la médaille de bronze. Oui, la médaille de bronze. On a un joueur, enfin plutôt une voiture qui s'est incrustée chez Michael, ou peut-être qu'il en avait marre de le garer tout le temps dans son garage. Alors il s'est dit, je vais la mettre dans mon salon, elle regardera la télé avec moi. Mais bon, c'est quasi impossible de placer cette voiture-là, parce que toutes les entrées chez Michael sont, impassables, si je peux dire ça comme ça. C'est complètement what the fuck, donc c'est pour ça que j'ai choisi de la mettre à cette troisième position. Et les images comme ça, où il y a les voitures dans des appartements, j'en ai encore plein sur mon ordinateur, vous les verrez aussi dans mon... Oh, excusez-moi si je lag un peu. Dans mon prochain épisode, donc peut-être dans l'épisode 2, des images, les top 5, top 10, des images what the fuck, sur Snapmatic, désolé si je bug un peu. Donc voilà. Et pour la deuxième position, la médaille d'argent, on a un Sand King XL au Mont Chiliad, oui, c'est au Mont Chiliad, qui est un peu cassé des suspensions arrière à cause d'une balle de tennis, je crois, une balle qui ressemble à une balle de tennis. Donc moi je ne sais pas comment ils ont fait déjà pour trouver la balle de on va dire c'est une balle de tennis, pour trouver la balle de tennis. Perso moi je ne sais pas où elle est, donc j'essaierai un jour de faire ce bug, si je peux appeler ça comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de la placer à cette deuxième position, parce que c'est vraiment bizarre et en même temps c'est drôle de pouvoir voir une image comme ça. Donc voilà pour cette deuxième position. Et donc rappelez-vous, dans la troisième position on avait une ici qui s'est introduite chez Michael, et là c'est une moto. Je viens de me rendre compte que je crois que c'est chez Michael. Oui, c'est chez Michael, donc c'est pas totalement une image what the fuck, désolé si je l'ai placé à cette première position, mais parce que je viens juste de m'en rendre compte quand j'ai regardé l'image. Et donc c'est pour ça que je ne devrais pas la placer à cette première position, parce que c'est trop facile de faire ça. Et donc voilà, donc moi aussi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et donc c'est une erreur de ma part, je m'en excuse, mais c'est quand même marrant de voir une Akuma, oui c'est une Akuma, sur le canapé de Michael. Peut-être qu'elle voudrait regarder la télé, on ne sait pas. Donc voilà. Et donc voilà, c'est le premier épisode, ce deuxième épisode plutôt, sur le top 5, top 10 des images what the fuck sur Snapmatic est déjà fini. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Pourquoi tu dis tout le temps, donc voilà. Parce que j'en ai envie, je fais ce que je veux. Et donc parce que je sais pas quoi dire, donc voilà. Donc là je l'avais fait exprès, je m'en excuse, mais bon, je suis pas trop, je ne suis pas Squeezie, je ne peux pas faire ce que je veux dans mes vidéos, et même je suis désolé de dire, de tout le temps répéter la même chose. Et en tout cas, bref, j'espère que cette petite vidéo, ce top 10 des images what the fuck sur Snapmatic vous a plu. N'hésitez pas à la faire partager, de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne, on est de plus en plus nombreux. Et vous pouvez remarquer au passage que j'ai changé mon logo et ma bannière, donc je pense qu'elles sont plutôt mieux qu'avant. Et je remercie Custy et J3 Design pour leur tuto. Donc Custy, c'est pour le logo et ma nouvelle intro que vous avez pu remarquer en début de vidéo. Et J3 Design, c'est pour sa bannière qui est classe, simple et sobre. Donc voilà. Je vous remercie les gars pour vos tutos qui sont super classés et tout. Donc si vous avez besoin de quelques petites aides, passez sur la chaîne, ils font du super bon boulot. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous et faites partager cette vidéo au max. Peace, ciao.